Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elder Scrolls Online et sommes partis pour la quête Chasser les chasseurs. Dans la vidéo précédente, j'avais fait un peu le tour pour voir ce qui me manquait sur la carte et tout ça. Donc on a fait tout ce tour-là, ce grand tour ici, et on avait récupéré pas mal d'objectifs et de quêtes. Et maintenant, il y a encore combien de trucs à faire? Il y a encore 3 antres à faire, il y a encore 2 quêtes principales et encore 5 quêtes de zone. Donc c'est plutôt pas mal, on va aller faire ça, et puis voilà, maintenant on va aller tuer Crève Tympan, Couzeau, Plume Crin, et puis tout ça. La Mesa du Prédateur, à mon avis ça va être sympa, hein. À mon avis je pense que... En tout cas, tout le sud de la carte est vraiment magnifique, c'est plus oisif, tu vois, le nord est plus désert, le truc et tout ça. Ouais, non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Si j'avais un classement pour le moment... Je dirais Morrowind, Elsewhere et le Somerset, dans l'ordre. Morrowind en premier, mais ça c'est plus sentimental, tu vois, par rapport au jeu, tout simplement. Et en gros, ouais, non. Morrowind, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi qu'Elsewhere est très très bon aussi, hein. Somerset, pour l'instant, c'est celui que j'ai un peu moins aimé. Même si l'histoire de Elsewhere était très chouette, mais la map en elle-même... fait perdre un peu de points, je trouve, à Somerset. Mais par contre, Elsewhere et Morrowind sont très bien. Même si c'est vrai que l'histoire de Morrowind est... Bah, elle est sympa, mais... C'est pas non plus le truc de foufou, quoi. Je crois que j'ai dû se faire dans le sens anti-horaire. Quoique celui-là, c'est le boss de fin. Allez, on va faire dans le sens anti-horaire parce que... Tac, 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 et revenir. Ok, ça me paraît sympa. Allez, voyons ça. Où est-ce qu'il est, mon... Ah, voilà. Alors... Donc t'as les fameux champions, là. On va aller voir ça. On va aller voir ce qu'ils valent, parce que... Il y a champion et champion, quoi. Ah ouais, tu mets dans l'ambiance directe comme ça. Voilà, ah oui. Ça va, celui-là, ça passe. Bon, celui-là, c'est fait. Ensuite. Voyons ça. C'est par là. Ok. Ah, c'était pas d'autre passage, quand même. Oh, salut toi. Mais oui, c'est ça. Allez, viens ici. Ah, ça, c'était un boss? T'es sérieux, là? Ah ouais, ça, c'était un boss. D'accord, ok. Bon, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et alors, voyons ça. Tac. Ça a l'air d'être le boss de fin. Ouais, c'est ça. Ça croit bien jusqu'à moi ? Ha ! Trop facile ! Effectivement, c'était trop facile. C'est pas ça, c'est des boss quand même. Parce que de base, quand même, c'est être une entre, pas juste un petit truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'était mob de base. Eh ben.
Allez, essayons de voir si vraiment le type du milieu vaut le coup. Ah, ça va être intéressant. La chair crève. Que Irsin vous emporte. Ouais, d'accord. Ok, et ça c'était... D'accord, ah oui, c'était 5 minutes chrono, quoi. C'était 5 minutes chrono, le truc, hein. C'était pas foufou, hein. C'était pas foufou, hein. D'accord, bon, bah... Qu'est-ce que je te dise de plus C'était naze en fait. C'était naze. Tu sais, si au moins il t'avait mis des boss un peu plus... Voilà. Non, ah, je sais pas. Un peu plus costaud, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? T'as un passage en dessous? Ça c'est cool parce que j'ai la tablette. Voilà. Voilà. Les Douradines de Verkart étaient parmi les guerriers les plus vaillants de leur époque. C'est fantastique. Et je sais de quoi je parle. Car j'ai souvent fini du mauvais côté de cette vaillance. Ok. Bon, ça c'est chouette. Alors... D'ailleurs, l'éclat, il est où? Dans toutes les Andes, t'as un éclat céleste, normalement. Mais alors, où est-ce qu'il est, ça? Pas la moindre idée. Peut-être loupé. Bon, c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais pas assez de points de compétence... Et voilà mon grand, satisfait, heureux. Alors, on revient à la raison. Ne vous inquiétez pas, je ne répéterai à personne que vous avez tourné les talons. Crah ! Je n'aurais jamais dû vous laisser cette avance. Et maintenant, qu'est-ce que je vais chasser? Des oiseaux et des souris? Enfin. Bon. Eh ben voilà! Ça c'est fait. Et en plus on a récupéré le truc et tout ça, donc non, c'est bon. Voilà, bah elle est faite, hein, qu'est-ce que je te dise Elle est faite. Sympa, mais sans plus. Voilà. Pas le meilleur souvenir d'antre que j'ai eu. Après, il y en a d'autres, hein, sur le... Il y en a 7. Ils ont mis beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, dans Elsewhere que dans Somerset. Morrowind, t'en avais pas mal aussi, mais non, non. C'est chouette. Ça vaut le prix. Ça vaut le prix, hein. Et puis j'ai même envie de vous dire les petits DLC qu'ils mettent après. Donc par exemple, Clockwork City, qu'on a fait à la suite de Morrowind. Ensuite, on a eu... Clockwork City, Somerset. Qu'est-ce qu'on a eu? Murkmire, bah si, Murkmire que j'adorais. Ils valent le coup. Franchement, ça vaut le coup de les acheter. Ou de prendre SO+, hein. Ça, c'est vous qui voyez, hein. Mais ça vaut vraiment le coup de les faire. Ce qui est plutôt dingue, puisqu'au final, tu dis que. Ils font du bon boulot quand même sur les extensions. Ils font du bon boulot sur le suivi, parce que le jeu a quand même 6-7 ans, là. Hein. Non, ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot. Il y a beaucoup... J'ai beaucoup moins de bugs. J'ai eu quelques petits soucis. J'ai l'impression qu'en Somerset, j'ai eu beaucoup plus de bugs que ailleurs. Elsewhere, j'ai pratiquement eu aucun souci. Jamais de déconnexion, rien du tout. Morrowind, pareil. Somerset, putain, j'ai eu quoi 4 ou 5 déconnexions. Ouais, facile.
Bon, alors, est-ce que c'est Somerset qui est plus buggé? Est-ce qu'il y a un truc qui fait que quand t'es à Somerset, il comprend pas bien ce qui se passe ou quoi? J'en ai aucune idée, mais sur les autres, j'ai pas eu de... Bah, là j'ai eu encore aucun souci. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce qui change, je sais pas. Mais voilà. Plutôt satisfait. Halte là, braconnier. Encore un pas, et mon petit bijou vous taille en pièces. Allez. Oh, pardon. Je me méfie de tout le monde ces temps-ci. Un dragon est passé récemment, vous comprenez? Il a avalé des troupeaux entiers d'antilopes. Nous nous occupons de nombreux animaux rares. Ça fait une cible de choix, oui. Qu'est-ce que je ne donnerais pas... Pour? Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour? Pourquoi? Allez! On va faire tout ça. Ah. Je crois que c'est l'autre bout du chemin. D'accord, il est abandonné au dernier moment. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, sac à dos il est vide, ça c'est génial. Ensuite c'est là. Ok. Ok. Bon, jusque là, ça va se passe bien, ça c'est cool. Calme, hein. Ok. Voilà. Et ben maintenant il n'y a plus que le truc du dressage et on sera pas mal. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Non mais quand ça se passe comme ça, c'est cool. Où est-ce qu'elle est? Ah. Les lunes soient louées. Vous revoilà. C'est une blague ou quoi? Les lunes. Pendant que vous mettiez le feu au campement des braconniers, ils ont lancé un raid contre le ranch. Quand le gibier manque, ils se rassemblent aux ruines à l'ouest. Avec... Laissez-moi réfléchir, mon meilleur ouvrier. Ok. Eh ben... C'est parti. Yeah. Alors... Ah,
Oui, oh là là, c'est bon. Ouais, bien, ils vont faire chier maintenant. Ah, un éclat. Cool. Salut, bébé. Eh ben voilà. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, on va secourir l'autre maintenant. Voilà, brave bête. La maison toute seule. Nous avons encore du travail. Bah oui, hein. Verrouillé. Oui. Marmelade peut peut-être se glisser par cette fente. Mais oui. Allez, Marmelade, vas-y. Vas-y. Ah, bien joué. Ah, elle a réussi. La porte est ouverte. Entrons. Alors. Voilà l'attaque. Elle est morte, c'est bien. Alors. Allez, Oust, pense à sucre. Encore une porte verrouillée. Marmelade pourra chipper la clé à ce garde ivre. Allez, Marmelade, vas-y, fonce. Merci. Alors, Pimpergo, est-ce que t'as... Où est-ce qu'il est? Bah. Ah. Vivant, libérons-le. Vas-y, libère-le, moi je m'occupe de lui. Et voilà. Et bim, où est-ce qu'il est? Coucou, pain perdu. Je te jure. Ça va me voir? Tous réunis, retrouvons-nous au ranch, héroïne. Bah oui. Heureusement que je suis là, hein. Y'a rien d'autre? Un petit plan de meuble? Ça serait sympa? Non? Tant pis. Et ben voilà! C'est pas beau ça? On a sauvé tous les animaux. Après avoir détruit plein de méchants. C'est quelque chose de très gratifiant. C'est voilà. Chut. Ça va aller.
travail. Là. Et voilà, ils sont tous de retour. Tu es heureuse ? Vous êtes... Oh, mon assistante préférée. Lorsque Pain Perdu et cette filoute de marmelade sont rentrés, je savais que vous les suivriez rapidement. Ça va, c'est gentil. Tout à fait. Mon petit cœur est encore tout tremblant. Mais un beau repas et un long câlin devraient le calmer, oui. Vous avez toute ma gratitude, marcheuse. Et celle de Pain Perdu. Jim. Eh ben voilà. J'aimerais pouvoir m'arrêter, mais il faut nettoyer les étables, des actions des contrebandiers. Ça ira vite. De l'attaque du dragon ? Allez, ça, bien sûr, marcheuse. Eh ben, ma foi, écoute, c'est super sympa. En tout cas, ils sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment superbes. Belle bande de félins. Ça va ? T'as survécu ? Je me réjouis de voir que nos animaux sont rentrés sains. Eh ben, écoute, ma foi. J'imagine que je vais devoir nettoyer quelques boxes de plus. Ben oui. Je n'en reviens toujours pas que la peau de ce pauvre Pain Perdu ait failli se retrouver au mur chez un braque. Ça, c'est horrible. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve que ton amure déchire. Bon, eh ben voilà. Est-ce qu'on a chopé des petits points de compétence? Enfin, des points de champion, c'est vrai. 5, 6, 9. Putain, il n'y avait pas un truc que je pouvais débloquer pour 9, là? Attends, encore 9 points, non? Ah bah si, voilà. Eh ben voilà, bim. Bam. Boum. Super. Eh ben voilà. Voili volou. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on continue notre aventure. Hein. Allez, à la prochaine. C'était Nero. N'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire. Merci d'avoir regardé. Et salut tout le monde.